Hi, this is Multi Topic Talk. Welcome to part 2 and last part of this mission of Splinter Cell Stealth Action Redefined. So let's do this. We should have ammo in this room if I remember correctly the mission. Because it's been a while I did not play it. On est devant la bibliothèque. Nicolas est dedans. Tout le monde en alerte. On va récupérer l'arme. Préparez-vous à ficher le camp. Looks like I was wrong. There's no bullet here. Let's see. What is the code of that door? Six, six, seven, six, eight. Six, six, seven, six, eight. Granted. Oh, that was here. Thank you for the bullets. I like that. I hope that won't trigger anything. Wow, I missed so many marks, and I only thought there were two guards. Yeah, let's try again. That was a huge failure here. On est devant la bibliothèque. Nicolas est dedans. Tout le monde en alerte. On va récupérer l'arme. Préparez-vous à ficher le camp. Now we got it. I remember I cannot break that light. On a un intrus. De commando américain. Amenez Nicolas D. au camp. So we will be running our life. It's a risky try what I will do as the first try, but let's do it. I remember doing it the first time I did the mission. Yeah, that worked. Il se retourne contre nous. Les attentes vers le feu.
That music was amazing, I need to admit it. Now I break all the lights, because later on we will need to escape that vault. And if the lights are on, it's gonna be hard. Vous l'avez tué? Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Hi, Nicoladze. I need to smash some lights. I can smash this one. Parlez-moi de l'Arche. Laissez-moi partir. Et vous êtes un homme riche. Je sais ce que c'est. Je veux savoir d'où elle vient. Ah, ça ne vous avancera à rien. Qu'est-ce que vous comptez en faire? De quoi? De l'Arche. Dites-moi où vous voulez la faire exploser. Tuez-moi ou laissez-moi partir. Ce que vous faites est inutile. Parlez-moi de l'Arche. Vous êtes puéril. Je ne dirai plus rien. Plus personne ne bouge. Les mains en l'air. Personne ne bouge. J'ai dit personne. Combine Nicoladze. Et qui est ton ami, un Américain? Demandez-lui. Tu vas nous donner l'Arche. Je ne suis pas Dieu. Tu vas nous donner l'Arche. Je vous assure, je ne sais pas de quoi vous parlez. Christavi sait que c'est une valise nucléaire. Et il sait que c'est toi qui l'as. Ah, c'est un malin. Il sait qu'elle est déjà aux États-Unis. Quoi? L'Arche n'est pas ici. Continue, je t'écoute. Tout ce qu'il y a dans ce coffre, c'est la clé d'activation. La bombe elle-même est aux États-Unis. Si Christavi garantit ma liberté, je lui dirai où trouver l'Arche. Donne-nous cette clé d'activation. C'est l'espion qui a la clé, l'Américain. Vous n'aurez qu'à la lui prendre. Je peux vous donner les coordonnées, mais à condition d'être libre et en sécurité. D'accord. Vous deux, escortez Monsieur Nicoladze hors de la bibliothèque. Toi, qui es-tu? So here, it's gonna be crazy. Ne dites rien, Fisher. On organise une panne de courant dans 5 secondes. Profitez-en. La clé de l'Arche. Tu as le choix. Tu me la donnes ou je la prends sur ton cadavre. Tu as 5 secondes pour te décider. 4 secondes. 3... There's only 3 guards, so there's enough ring for all of them. Let's keep going. Ne dites rien, Fisher. On organise une panne de courant dans 5 secondes. Profitez-en. La clé de l'Arche. Tu as le choix. Tu me la donnes ou je la prends sur ton cadavre. Tu as 5 secondes pour te décider. 4 secondes. 3. Oh, well, sure, it was the right moment to move. What did I do? Ne dites rien, Fisher. On organise une panne de courant dans 5 secondes. Profitez-en. La clé de l'Arche. Tu as le choix.
Tu me la donnes ou je la prends sur ton cadavre? Tu as 5 secondes pour te décider. 4 secondes. 3, 2... Montrez-vous! Oh, there was another one at the end of the alley. Oh, okay, there are four. So now I know I will be better. Why is it the first one I pick? So four guys, probably more. Ne dites rien, Fischer. On organise une panne de courant dans 5 secondes. Profitez-en. La clé de l'arche. Tu as le choix. Tu me la donnes ou je la prends sur ton cadavre. Tu as 5 secondes pour te décider. 4 secondes. 3, 2... Last one is at the end. Oh, there's a fifth one. I see. Oh, he's at the very end of the alley. Okay, they're all gone. What happened to those guys? Fischer, on ne peut pas laisser Nicolas s'en aller. Vous croyez qu'il sait vraiment où se trouve l'arche? Oui. Il ne doit pas repartir avec cette information. On a un espion dans le bâtiment, un Américain. Toutes les troupes en alerte maximale. Near the end. After many tries, we are near the end. Now I forgot if we had guards looking the courtyard. Oh, there's one up. I can see him. There's also one down. Oh, I almost wasted a bullet. It's risky, but let's do it.
Oh, wow. That was his head. Okay, I see. I may have shot his helmet or something like that. Because the aiming in this game is so bad. At least I know there's a guard up. There's another one down? Okay. And they not mean to suffer tué. This time I won't make the same mistake. That guy does not move. Quelque chose a bougé. L'Américain détient des renseignements vitaux pour la sécurité de l'État. Il faut absolument le capturer ou le tuer.
Le message est clair. Abattez Nicoladze de là où vous êtes. Je répète, dès que vous l'avez dans votre ligne de mire, descendez-le. I think it's him. Beau travail, Fisher. Sortez de là. Les données que vous détenez sont tout ce qu'il en reste. Ce qu'il reste de quoi? Les menaces de Nicoladze contre les États-Unis. Ces données ne doivent surtout pas tomber aux mains de l'ennemi. L'Osprey vous attend. Des coups de feu dans le bureau de Christavi. On sait ce que devient Christavi. Couvrez le président Christavi. So, let's keep going. Now we are near the end, the very end of this mission. Vite, emmenez le président lieu sûr. Tueur dans le palais, que tous les hommes. Peut-être plusieurs tireurs. Ordre du président Christavi, retrouvez l'assassin. Ne laissez pas le tireur quitter le palais. Je le tuer, l'assassin est l'objectif numéro un. Où est Nicoladze? Qui surveille Nicoladze? Rapport non confirmé. Nicoladze aurait été abattu. Nicoladze est mort. Je répète, Nicoladze est mort. Trouvez le tueur. Now, I think they will come by that door here. Or not. Through this. Let's try again. Vite, emmenez le président lieu sûr. Tueur dans le palais. Que tous les hommes. On me tire dessus. Oh, really? You see me? Oh, there was another one out. Okay, I see. Oh, wrong save. Let's try again. Vite, emmenez le président lieu sûr. Tueur dans le palais. Que tous les hommes. Peut-être plusieurs tireurs. Ordre du président Christavi. Retrouvez l'assassin. Ne laissez pas les tireurs quitter le palais. L'assassin est l'objectif numéro un. Où est Nicoladze? Qui surveille Nicoladze? Rapport non confirmé. Nicoladze aurait été abattu. Nicoladze est mort. Je répète, Nicoladze est mort. Trouvez le tueur. So, let's keep going. Les troupes à la recherche de l'espion américain. Il doit être capturé ou tué à tout prix. Let's
there's nobody. Looks like there's nobody. Oh, there are people. Oh my. Okay. There's like four guards. Okay. Four guards. I know there are four guards here. That's the final sprint, and I'm out of everything. Vite, emmenez le président lieu sûr. Tueur dans le palais. Que tous les hommes. Détruire plusieurs tireurs. Ordre du président Cristalli. Retrouvez l'assassin. Ne laissez pas le tireur quitter le palais. Je le tue. L'assassin est l'objectif numéro un. Où est Nicolate? Qui surveille Nicolate? Rapport non confirmé. Nicolate aurait été abattu. Nicolate est mort. Je répète, Nicolate est mort. Toutes les troupes à la recherche de l'espion américain. Il doit être capturé ou tué à tout prix. So yeah, that mission is very hard, but that's the last mission, so it's normal. Je repousse l'ennemi. Dégagez le passage. Oh wow. That was a failure. Again. We will find a way. Vite, emmenez le président lieu sûr. Tueur dans le palais. Que tous les hommes. Peut-être plusieurs tireurs. Ordre du président Cristalli. Retrouvez l'assassin. Ne laissez pas le tireur quitter le palais. Je le tue. L'assassin est l'objectif numéro un. Où est Nicolate? Qui surveille Nicolate? Nicolate aurait été abattu. Nicolate est mort. Je répète, Nicolate est mort. Toutes les troupes à la recherche de l'espion américain. Il doit être capturé ou tué à tout prix. I don't understand why I did not get there. Okay, now we got it. Oh merde! Now we need to wait until the music chills.
Il est là. Oh. Quelqu'un nous attaque. I think there are no more. Yeah. So I hope you guys enjoyed. That was the last mission of the main game, because after that there are three DLC. Un immeuble de 7 étages de Hopgate, dans le Maryland, et les 4 pâtés de maisons voisins ont été évacués par la garde nationale. Selon les autorités, une fuite de gaz serait la cause de cette évacuation. Selon les mêmes sources, ces événements n'auraient absolument aucun rapport avec Nikolatse ou la crise informatique géorgienne. Hopgate, à moins d'une demi-heure du centre de Washington, D.C., sera... Depuis la découverte et l'identification du cadavre du président azerbaïdjanais Kombay Nikolatse il y a 5 jours. Les gardes azerbaïdjanais du palais ont abattu le président Nikolatse lors de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'état contre le président en exercice, Varlam Kristavi. Lors d'une conférence de presse ce matin, le président Bowers a félicité le peuple américain pour son courage. Nous avons été blessés, nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Il n'y a dans le monde aucune souffrance ni aucune terreur que la ténacité des États-Unis ne puisse vaincre. Il n'existe au monde aucun problème que l'ingéniosité des États-Unis ne puisse résoudre. Et j'exprime ma plus vive admiration à chaque citoyen américain dans le monde, à chaque civil et à chaque soldat qui reste debout face à la terreur et face à la tyrannie d'hommes cruels. L'histoire n'oubliera pas votre fermeté. L'histoire n'oubliera jamais votre fermeté. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais pas entendu rire depuis le départ de Reagan. C'est rien, Sarah. Laisse tomber. Nous avons maintenu vivante c'est la, lune la sécurisée, flamme radieuse ma puce. De la liberté dans d'accord. le monde entier. Puisse Dieu éclairer notre vision et fortifier notre esprit pour le travail qui reste à faire. Dieu bénisse l'Amérique. Papa, tu ne vas pas déjà repartir? Oui, Lambert. Now we will listen to that great music. My overall thought about this game, it's a good game, but some ideas are well executed while others are really bad.
like all those forced moments where you need to face up a bunch of people, like in the abattoir, or like in the end of this mission where you have large group of people and you have a pistol, you cannot rely on it. That's frustrating. And not just that, also Kalinatek building had those moments where they force you into battle and you don't have the equipment to battle. And overall, it's a great game, but it's the weakest in the series, Conviction aside, for sure, because Conviction, in my opinion, it's the weakest, but then you've got this one, Stealth Action with the Finest. I enjoyed the game more than Conviction, for sure, but they needed some improvement in some areas, and curving the bullet of the pistol was really a bad idea. Yes, I understand they don't want you to use your pistol, but sometimes you're forced into doing so because they made some levels where they force you using the pistol. So that's what I don't understand. They don't want you to use the pistol, but they force you on using it. So most of the time you cannot rely on the pistol, and you need your SC-20K. Even shooting lights, your pistol can't do that. Like, this game, I remember some great mission. Like, the first four missions were amazing. The fifth mission being CIA HQ, it was a fun one. But Kalinatek, I did not enjoy. Then we got Chinese Embassy, the first one. Overall, it was an interesting mission, but the end where it's so easy to fail recording the conversation, that make no sense. I did not enjoy that part of the mission. And then you have the abattoir. The abattoir is full of BS. The abattoir, I did not enjoy that at all. And then you get the second Chinese embassy, which was another level that they force you into battle. I did not enjoy that at all. And then you have the Presidential Palace, which is a fun map overall, but all the forced battle we got into, I did not enjoy. So I will do a ranking of each Splinter Cell game after I played all of them again. So next up, it's the 3 DLC map, and then I will be playing Pandora tomorrow. So that's pretty much it. Like, comment, and subscribe. We will see each other in future videos. Have a great day.